Aujourd'hui, on vient dire non à la suppression du poste d'agent de technique de laboratoire parce que si on supprime ce poste, les élèves du collège n'auront plus droit aux expériences, ils ne pourront plus observer, ils ne pourront plus faire des travaux pratiques. Il est évident que sans l'aide d'un agent technique de laboratoire, on sera obligé de revenir aux cours théoriques, en tout cas pour une bonne partie de nos cours. Ce qui n'est pas normal, c'est que ces élèves ont droit aussi à un enseignement scientifique de qualité et que si on supprime ce poste, l'enseignement sera vraiment un enseignement au rabais. On sera obligé d'aller vers les livres alors que la tendance, c'est de passer par le concret et le réel pour que les élèves puissent mieux comprendre ce qu'on va appliquer en notions abstraites. C'est d'autant plus qu'on est dans cette zone du collège Les Alizés du Chaudron. Et vous savez bien que tous les élèves qui sont dans ce secteur, ils ont quand même beaucoup de lacunes. Certains sont d'un bon niveau, mais beaucoup ont des lacunes. Et que si on enlève toutes ces possibilités d'expérience, on ne pourra pas faire travailler les élèves dans des bonnes conditions. Justement, on trouve que ce n'est pas tellement une bonne chose du fait que vous supprimez d'un côté pour aller dans un lycée, or que au collège, nous aussi, on nous a besoin, le départ, la base, raison pour laquelle, donc, nous ne sommes pas d'accord du tout pour la suppression.